Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 30 de la série Hardcore. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Est-ce que j'ai bien dit 29 dans le précédent et pas 28? Question à la con. Mais voilà. Alors, on en était à un point crucial de l'aventure. Non, je déconne, c'est pas vrai. C'était de la merde. Enfin, c'était de la merde. Je veux dire, c'était pas important. On allait bouger. Oui, bien sûr. Bouger de place notre ami à neige. Pourquoi j'ai pris une pelle en main? Je ne sais même pas pourquoi. Je parle avec vous et je fais n'importe quoi en même temps. Hein. Bon, vous savez que c'est commun. Oui, le but. Je vais l'enfoncer un cran dans le mur ou pas? Ouais, c'est... alors il y a un truc qui va être drôle. Ça va être marrant parce que on va tout remplacer par de la... Comment? Ah oui, voilà pourquoi je voulais. On va remplacer par de la stone brick. Oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas la stone brick. Moi, j'adore. Et je vous dis merci. Donc, qu'est-ce qu'on verra? On va avoir notre bloc ici de visible, ici de visible, ici de visible. Tout le reste, on ne le verra normalement pas. Donc voilà, ok. Et maintenant, on peut faire ça. Un H. C'était une erreur. J'aurais dû l'avancer, le mettre encore derrière d'un cran. N'importe quoi. Voilà. Surtout que pourquoi je le rentre à l'intérieur déjà? Parce que c'est dommage qu'il reste à l'extérieur. Tiens, là ça donnerait un style si on fait ça. Comme ça. Ouais, ou pas. Parce que quelqu'un m'a dit que s'il pleuvait dessus, il fondait. Alors, je doute sérieusement que ce soit vrai, puisque il a dû. Enfin, il a dû déjà fondre le truc. Il a dû déjà subir la température extérieure. Je pense quand même. Enfin, la pluie à l'extérieur. Et il est toujours là. Donc voilà. Parce que je pense bien quand même que depuis les 28 épisodes, il a dû pleuvoir derrière. Surtout que je l'ai fait assez rapidement, il me semble. Il me semble. Alors priez pour moi pour que ça fasse... Yeah! Yeah! Donc ça a peut-être à voir avec le biome Extreme Hill. Ou alors faut pas que je descende trop bas. L'un des deux. J'attends toujours une réponse. Je n'avais pas vu dans le précédent puisque... Oh, c'est moche ça. Ça aussi et ça aussi. C'est pas grave. On a notre distributeur à neige. Que je viens d'exploser à l'instant. Ah non, les boules elles restent à l'intérieur. La loose. La loose. Il faut que je fasse. Oui, c'est parce que j'avais fait. Donc le H, c'est mort pour le H. Comment je peux faire ça? Oula, oula, il va se tailler ce con si je fais pas ça. Voilà. J'ai pas une solution là tout de suite. J'ai pas d'idée tout de suite sur la manière de faire ça moins moche. Comment faire en sorte qu'il reste dedans? Si j'ai peut-être une idée moins moche, ça fait avec du. Ça fait avec du fer. Ça va être avec du verre. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Ah, t'es encore là toi? T'as toujours pas fait de. Non. Pour toi. Alors, ça va être grâce à ça. Toi, je m'occuperai de toi après. T'inquiète, je vais te faire ta race. Donc, le verre, ça sera toc, toc, et attention, il va falloir que je fasse ça assez vite pour éviter qu'il se taille. Toc. Voilà, on le verra. On peut s'approcher assez près, et normalement, j'ai pu récupérer les loots. J'ai dit bien normalement. Je n'ai pas vu si j'ai pu ou pas. J'ai bien sûr, plus de pelles, comme d'habitude. Je suis toujours en quête de pelles, je sais pas pourquoi. Posons ça provisoirement quelque part. Qu'est-ce que je peux mettre où? Oh bah tiens, on va le mettre. Ça fera incruster dans le décor. J'en ai deux sur moi, je sais pas pourquoi, mais... Alors, j'ai pas de cobalt par ici. Encore heureux. Ah mince, téléphone! Ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve après une petite coupure. En espérant que j'oublierai pas de couper ce passage pendant le montage. Attends, j'ai pas dit grand chose, mais... Ah, en plus il fait nuit maintenant du coup. Allons nous coucher rapidement, très rapidement. Voilà, et voyons si la technique marche. Oui, on peut récupérer, tout va bien. C'est ce que j'avais besoin. Voilà. Donc en plus on le voit maintenant. On le voit l'idiot là. C'est drôle.
C'est très très drôle. Remettons quelques torches pour éclairer un peu sa pièce. Ah oui, c'est vrai que ça rajoute rien. Mais c'est pour éviter le... J'ai un bug de clavier. C'est pour éviter le loot, le pop des mobs. Je vais y arriver. Trouvons nos mots. Voilà. Eh? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'est un four au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Ça va faire peur en rentrant de voir ce truc là. Bon. En bas, qu'est-ce que... Comment? On va s'occuper de l'autre. Voilà, ça c'est fait. Et on va fermer... Putain, c'est con, j'ai tout écarté pour le mettre là et tout. Pff, trop la loose. Et... bah non, tiens, regarde ce qu'on va faire. On va mettre un coffre ici. Un coffre. Putain, je fais n'importe quoi. Mais je sais même pas pourquoi je fais ça. Voilà, on va mettre un coffre ici. Toc. C'est quand tu veux. Toc, toc. Voilà. Ça, on peut fermer du coup. On va mettre un coffre ici. Et en son honneur, ça va être tout ce qui concerne la neige. Voilà. Parce qu'il est mort ici. Je l'ai tué sauvagement ici. Donc on va mettre tout ce qui concerne la neige. Et il va falloir qu'on trie tout doucement les coffres. Mais on va pas faire ça tout de suite. Je vais jeter un œil sur... Ouais, donc on voit alors... Vous voyez, quand je descends là, sur la carte en haut à droite, on voit des points rouges lumineux très fort, très fort, très fort. Ça veut dire qu'ils sont sous la surface là. C'est vrai que comme j'ai tout aplati, il y a du monde sous la surface. Allons voir le champ. Le champ, il est bon. Il est bon, le champ. Il est bon, on va pouvoir y aller. Il y a juste quelques graines de vent, mais bon, là, faut pas pousser mémé dans les artichauts, ni dans le blé, d'ailleurs. On va tenter. Au bout de trois épisodes, j'ai eu l'impression que ça flottait. Avec l'ombre qui est bizarrement projetée, on a l'impression que ça flotte. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. Il n'y a pas de truc qui va nous embêter entre-temps. Voilà, c'est parti. On tente. Voilà, donc tout se jette là-dedans, ça on est bien d'accord. Ah, j'ai un truc qui allait au milieu là-bas. Bon, c'est pas grave, deux de pertes en blé par rapport à ce que je vais gagner à mon avis. Et une fois que tout est ok, j'arrête la flotte. Voilà, ça me met des graines ici. Alors, j'avais déjà ça dans mon inventaire. Ah, c'est dommage, je voulais voir combien j'en aurais eu. Elles vont se stacker. Je fais ça. J'ai encore du blé là, je sais pas ce que je fais avec. C'est pas grave, alors. Voilà, et normalement tout est là maintenant. On va s'approcher discretos par la droite pour voir si tout a bien fonctionné. Voilà, tout a bien fonctionné, regardez, tout s'est rassemblé ici. Bon, j'ai quelques petits rejets par-ci, par-là. Mais ce n'est pas vraiment grave. Et on va récupérer tout ça. Bon, bah, vous voyez qu'on a récupéré pas mal de choses, beaucoup de graines d'ailleurs. Qu'on va ressemer tout de suite. Est-ce que j'ai ma binette au cas où je fais des conneries? Parce que je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Je le sens trop trop bien la connerie. Il faudrait que je me mette une dalle. Juste une dalle quelque part. Alors. On va mettre ça. Ici. Ça restera là. Et 6. Ah mais non, si je mets une dalle, ça empêchera l'eau de... Ah oh, zut. Quel con. Bon, j'ai créé des dalles pour rien. C'est pas grave. Seul truc que je pourrais le faire, c'est encore le mettre là, mais ça m'embêterait après pour récupérer. C'est pas grave. Alors, on va y aller. Je sais pas comment je vais faire. On va essayer de faire ça proprement. Bon, voilà. Ça a passé. Ça passera pas à chaque fois. Il me faudra une binette. Je prends une tortille avec le système là pour l'instant. Ça marche plutôt bien comme ça. On va rester comme ça. Donc à savoir qu'avec la 1.3, vous avez vu qu'il y a le cacao qui est cultivable. Ça va être, mais ça va être trop bon, ça. Juste trop bon. On va pouvoir récupérer du cacao là-bas dans la jungle qui est pas très loin et se faire une petite ferme, comme je vous ai montré dans un tuto. Donc je vous invite à regarder d'ailleurs. Tiens, et si je... Ah bah ouais, fail. C'est pas grave. Et j'ai pas de binette sur moi, ça m'aura pas étonné. Bon, ça fera un en moins, c'est tout. Ouais. Aller chercher la binette, faire un aller-retour juste pour ça. Surtout que vous voyez que c'est un peu de manière aléatoire puisque ça ne se fait pas tout le temps. Voilà, on replante et on peut partir. On va faire notre pain.
Juste que je fasse gaffe de pas faire un clic droit là-dessus, parce que sinon ça active le levier et ça fait redescendre toute la flotte. Ce serait con. Ce serait ballot. Voilà, on est un petit peu tranquille en pain, on est un petit peu tranquille en graines aussi. On va poser ici un coffre. Les graines que j'ai en trop. Et c'est parti. Et maintenant, on va faire un peu de rangement de coffres ou ah mais non, je suis con, j'aurais dû garder un peu de blé pour les animaux qui sont là-bas. Ils sont tous là encore. Lui, on va le tuer. On n'a plus besoin. Ils sont encore tous là. J'aurais dû leur faire un peu de blé. Bon, au pire, il y en a là-bas. Hein. Pire, je peux faire le sadique et aller en faire chier là-bas. Alors, toi, on va t'achever. Parce que si je le laisse partir, il va me foutre de la neige partout. Reviens là, reviens là, reviens là, reviens là! Je le savais, tiens. Espèce de petit con. T'as c'est qu'à Manu. Ah bon, Manu, je récupère rien en fait. Pas grave, en même temps j'en ai pas besoin, j'ai son cher collègue en bas. Et donc du coup, bah ouais, puisque j'avais le truc en plein milieu, c'est un peu de la merde ici ce que j'ai. Donc il me faudrait du gravier pour continuer le système de route. Quoique c'est sur 3 de large, je pourrais refaire ce système là au milieu. Sur 4 de large. Ouais, si je fais ça, ce sera sur 4 de large. Non, bon, alors, gravier. Gravier, je dois encore en avoir en haut, forcément. Ah oui, même bien plus qu'il n'en faut. Allez! Voilà, et je vais refaire une ligne encore ici. De stone brick, pour que ce soit parallèle, symétrique, et j'ai toujours pas de scie. Voilà, ça grande bien, il doit être en dessous. Oh, bah oui, je suis con. Mais oui, putain, j'ai failli tomber dedans. Alors là, ça aurait été drôle, tiens. Là, ça aurait été particulièrement drôle. Tiens, vous allez bouffer de la bouse, les mecs. Je vous envoie de la bouse. C'est vrai que j'ai en plus laissé de la lumière et tout. Alors, je suis pas spécialiste de piège à mob. Hein. Il faudrait que je regarde les tutos. Si vous avez une suggestion de bon piège à mob en tuto vidéo. C'est pas le truc que je m'amuse à faire tous les jours. Le dernier que j'ai essayé de faire, il a pas marché. Je suis pas un spécialiste là-dedans. Si vous avez un bon tuto de piège à mob qui pourrait convenir là pour la situation que j'ai là, ce serait juste parfait. Voilà, ça c'est fait. On a toujours notre entrée qui ressemble à rien. Il serait peut-être temps de faire quelque chose maintenant. Ouais. On va peut-être tout mettre de la stone brick partout. Que j'aime la stone brick, j'aime ça. Si toi aussi tu aimes la stone brick, clique sur 1. Cherchez pas, il n'y a pas de 1. Non, mais cherchez pas, il n'y a pas de 1. Ça sert à rien de regarder. Il n'y a pas de 1. Arrêtez voir. En plus, il va faire nuit comme d'habitude pour changer. C'était quoi ça? Pourquoi j'avais continué la ligne là? On va. Hop, on va suivre le. Juste ça, voilà. On va suivre ça comme ça. Voilà, alors, proposez-moi des défis pour le prochain. Parce que vous voyez que là, j'ai rempli mes objectifs pour l'instant. Proposez-moi vos défis pour le prochain. Sinon, je m'en choisirai moi-même. Me dites pas Nether, j'attends la 1.3, enfin quoi que ça se trouve là, la prochaine fois que je tourne, il y aura la 1.3 avec tous les plugins. Parce que j'ai eu un bug quand je suis dans le Nether, si vous vous rappelez plus aller voir dans les épisodes précédents, j'ai eu un beau petit bug qui m'a bien contrarié. Et bah non, j'en parle juste, je le montre pas, puisque c'est quand j'ai fait le test de la map. Comme je suis très précautionneux et que je fais attention à... maintenant, vu les bugs que j'ai déjà eu, que vous avez pu constater, je fais attention à ce que je fais, dis-je en foutant un bloc à côté de là où je voulais mettre. Parce que j'ai encore de la stone, j'espère que oui. Oui, voilà. J'ai encore de la stone. Alors,
Ouais, proposez-moi des défis. Pourquoi je fais ça comme ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Et voilà. J'aurais pu le faire tout de suite bien, mais il fallait que je le fasse. Je m'énerve moi-même, c'est tout à fait normal. Je dors et je termine ma route. Voilà. Ouais, proposez-moi des défis sympas à faire, hein. Pas le truc trop lourd, quoi. Mais voilà. Oui, j'avais oublié ça. Casse la gueule comme un connard. Non, là on mettra pas du gravier, on mettra ça. Donc me dites pas d'aller dans le désert, dès que je pourrai y aller, j'irai tout seul de toute façon parce que je suis un grand fan de Glowstone et c'est la première fois que je joue aussi longtemps sans avoir de Glowstone dans une partie de Minecraft. Tout simplement parce que la dernière fois que je suis allé en testant avant un épisode, je suis allé dans le désert et je suis revenu puisque mon but c'était dans l'épisode d'y aller, donc je fais un test sur une copie de la map. Et ben en revenant, le monde avait disparu, j'en avais un tout neuf, sans maison, sans rien du tout. Je suis sûr de ce que j'affirme, puisque sinon il y aurait eu le point sur la map, là sur la carte en haut. Il y aurait eu les points et il n'y avait plus ces points. Il n'y avait plus du tout ces points, donc je suis sûr et certain de n'avoir plus eu la même carte. Je réfléchis en même temps à la façon dont je pourrais designer les trucs, c'est pour ça que c'est peut-être pas super cousu ce que je raconte. Alors, on va faire ça joliment, ou pas, d'ailleurs. Voilà, de toute façon, tout ce terrain-là, pas m'amuser à tous les faire, mais il va être... Ok, ça suffit de faire ça. Putain, avant, il fallait le faire plusieurs fois. Ah oui, voilà, c'est ce que je disais. Bon, si ça se résume à ça, c'est faisable. On va remettre de l'herbe ici. Pour l'instant, ce qu'il aurait fallu, c'est que je trouve une mine. Une mine PNJ, ça aurait été bien ça. Pour aller chercher du melon. Bien, bravo, merci. Et une fois le melon récupéré. Ah, ça c'est bon à savoir ça. Je peux pas. Je peux pas saloper un terrain qui. Bon, allez, je vais le faire comme ça sera plus rapide. Hein. Rôle de bruit quand même. Alors, voilà, ok. Putain, il fait de plus en plus chaud chez moi, c'est juste affreux. Il fait lourd en fait, il n'y a pas d'air, c'est dégueulasse. Je préférais le temps de mes vacances, hein. Oh, c'était mignon ça, tous ces loots qui ont sauté. Il faisait peut-être encore plus chaud, mais au moins c'était respirable. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et on est à 18 minutes d'épisode. Ils sont peut-être un peu plus courts puisque j'ai fini mes objectifs pour aujourd'hui. Une petite terrasse, faudrait que je fasse une porte, hein, tiens, ce serait drôle, tiens. J'ai pas deux portes en bois, je sais que j'en avais une. Hein. Allez, on va faire ça va être marrant, on va se faire deux portes en bois sur le côté. Une de chaque côté. C'est complètement ridicule, mais ça fait patienter. J'en ai pas une deuxième, oh c'est triste. Ouais, et de toute façon, on est passé. J'ai tourné de 20, de 26 à 30, hein, ce qui fait quand même pas mal d'épisodes. Hein. Et il commence à faire très très chaud dans ma pièce. Donc on va s'arrêter après ici. Et donc après le 30, j'attends. Enfin, attends, après le 30. Après le 25 déjà, le 26, j'attends vos suggestions, vos défis, mais en sachant que je ne verrai que vers le 30, ça j'ai pas prévu. Je suppose qu'on peut passer entre, non? C'est dommage ça. Zut. Je n'ai pas prévu ça. Est-ce que j'ai assez de... Non, j'ai pas de version. Oh, zut. Bon, bah tant pis. Tant pis. Je peux faire une porte ailleurs. Je vous ferai une porte ailleurs. Pour l'instant, on va remettre... Tiens, par bonheur, j'ai le verre qu'il me faut sur moi. Et mettre aussi la bonne brique. Stone brick là. On voit quelque chose en dessous. Ah bah oui, c'est la pièce. Merde, c'était pas de la stone brick. C'était des dalles, des slabs, machin. Là. Voilà. Et... Ok. Voilà, j'ai fait une plus grande baie vitrée qu'avant.
J'avoue, est-ce que j'aurais pu mettre une porte? C'est con ça. Si j'avais des sticky pistons, j'aurais fait une porte intégrée là qui s'ouvre et tout, mais je n'ai pas. Et trouver des sticky pistons dans une partie Minecraft, c'est. Enfin, moi, je suis plus heureux quand je trouve un sticky piston que du diamant, hein. Et surtout maintenant avec l'émeraude, là, le diamant. Je dirais pas que le diamant perd de sa valeur, parce que pour l'instant, avec l'émeraude, on ne peut pas faire d'item. On peut juste faire des blocs qui ne servent pas à grand chose d'ailleurs. Mais. On peut faire du commerce. Je vois pas trop à quoi ça sert, hein. Je l'ai testé en solo, à moins que le commerce évolue. Je vois pas trop comment ça pourrait être super d'avoir du commerce. Bon voilà, en tout cas, on a fait tous nos objectifs. Je vérifie que le champ est bon. Pour une fois aller visiter là, ou si je l'ai pas visité déjà, je me souviens plus. Bref, il y a plein de choses encore à faire sur cette map. À vous de me dire ce que vous voulez voir. On pourra, comme j'avais dit, retourner de l'autre côté. On peut faire plein de choses. Avec la 1.3, je pourrais faire des cultures de cacao. Ça, j'ai très envie de faire ça. Voilà. Eh bah écoutez, bah tiens, on va se mettre ici. C'est pour ça qu'il faudrait une porte là pour se quitter sur la terrasse. Ce serait juste classe. Juste super classe. Si je faisais une petite porte. Non, bon, allez, on va s'arrêter là. Là, c'est. Oh, si on va s'arrêter là? Non? Non, c'est pas beau. Tant pis. On va s'arrêter comme d'habitude ici. Comme on se quitte à chaque fois. Sauf que maintenant, derrière moi, j'aurais. Ah mon Dieu, ce qu'il est laid! J'aurais ça. Voilà, eh ben écoutez, merci de nous regarder. Mettez des pouces verts. Recommandez-nous, ça nous fait plaisir. Parce que vous dites tous, tiens, c'est dommage que t'as pas plus de vues. Mais les vues, c'est vous qui les faites, ce n'est pas moi. Moi, j'essaie juste de vous faire plaisir comme je peux. Donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et puis voilà, ça nous donnera peut-être la motivation de faire de nouvelles choses encore. Et puis voilà, je vous dis à plus. Bye bye. T'es au fait, t'as de nouvelles de ski, toi? Bah ouais, pourquoi pas toi? Bah non, pas trop. Bah si, justement, il est avec le dragon. Et tu sais pas quoi? Le dragon, il te passe le bonjour. Et tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, toi? Bah si, carrément. Bon, en tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est tu cliques en bas, là, sur le lien orange, tu t'abonnes, tu mets un petit j'aime, et puis voilà. Ouais, ok. Mais bon, si en passant tes nouvelles de ski, ça m'arrangerait.